174. Il a fallu attendre un peu pour que ce nombre entre dans la légende de l'Atlético de Madrid. 1, 7, 4, 3 chiffres en or dans la grande histoire d'Antoine Griezmann. Bastien Charlambard. Au musée du club, son visage s'affiche partout. Un Français dépasse l'idole, Luis Aragonés. La cicatrice des deux saisons de Griezy au Barça s'est refermée. Pour moi, Griezmann est une légende. Son pied gauche est exceptionnel, comme celui de Messi ou Maradona. C'est un phénomène. On est chanceux de l'avoir. Il a la même philosophie que le club. J'espère qu'il va continuer longtemps. On sent son amour du club. Et ce n'est pas seulement ses buts qui comptent, mais sa personnalité. Vendredi, le Mâconnais a répondu aux questions de jeunes joueurs du club. Comment te sientes quand mets un goal et la personne croit en ton nom? C'est la plus belle chose qui soit dans le football. Jouer dans un magnifique stade, comme ça, à guichet fermé, et que les gens chantent mon nom. Cela me donne, je ne sais pas comment l'appeler, disons la chair de poule. C'est vraiment incroyable. Ça me procure des sensations. Et quand le stade crie « but », c'est fantastique. Transmettre aux nouvelles générations, lui qui intègre un club très fermé, les meilleurs buteurs des plus grands clubs européens. Aux côtés des Messi, Ronaldo, Henry, l'enfant rejeté des centres de formation français, a construit son histoire en terre espagnole. C'est Antoine et il bat beaucoup de records. Ça veut dire qu'il avance en âge aussi. Il est attaché à ce club-là, il lui rend bien d'ailleurs. Il est épanoui, il a le sourire. Et puis après, c'est Antoine avec sa capacité à être décisif, à marquer des buts, à en faire marquer aussi beaucoup. L'attaquant, aux presque 33 printemps, nous confiait ses ambitions en club et en bleu. Heureux, ouais, très heureux. C'est là où tu réalises que tu as de la chance de faire ce métier. Antoine, est-ce que vous vous projetez jusqu'à la Coupe du Monde 2026? Ouais, j'ai envie de la faire, celle-là, c'est aux États-Unis. Mais voilà, après, comme j'ai dit, il faut gagner sa place. Si je prouve sur le terrain et en dehors que j'ai les cannes et j'ai le niveau, je pense qu'il n'y aura pas de souci. En fin de contrat en juin 2026, Antoine Griezmann désire prolonger et remporter sa première Liga. Un ultime challenge, de quoi devenir éternel. J'adore ce dernier plan. Grisou, regardez, seul Français avec Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire d'un grand club européen. Benzema, deuxième au Real, Trezeguet, quatrième à la Juve, n'était pas loin. Et n'oublions pas Dédé Gignac, numéro 1 de l'histoire des Tigresses de Monterrey au Mexique. Les chiffres magnifiques, Rio. Mais le joueur, pour vous, il est... Différent. Différent parce qu'il sait tout faire. Il sait tout faire et je pense que tous les entraîneurs au monde rêve d'avoir un Antoine Griezmann dans leur équipe. Il a un QI de football exceptionnel. Il est capable de marquer, de faire passer, de défendre. Sincèrement, c'est le joueur que, en tout cas, moi, je rêverais d'avoir un jour si j'ai une équipe. Parce qu'il a une force mentale aussi qu'on oublie. Il a eu un passage compliqué dans sa jeunesse pour arriver dans un centre pour devenir professionnel. Ensuite, passage quand même très compliqué au FC Barcelone. Et derrière tout ça, il rebondit à chaque fois. Il a une force mentale, voilà, je le dis, qui est vraiment forte. C'est un exemple, je pense, pour tous les joueurs de l'équipe de France, on l'entend jamais en dehors. Bon caractère, sincèrement, en plus il accumule les records. Voilà, moi je suis admiratif de son parcours et en tout cas, je pense que ce soit Deschamps ou Simeone, quand ils composent leur équipe, ils coachent Griezmann et ils composent autour. Et on est tous, Rio, admiratifs comme vous. Thomas, avec vous, un grand retour et le départ d'une légende. Est-ce que tu penses qu'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont sur la même table? Est-ce qu'ils mangent la même table? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Antoine Griezmann. On va également parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que tu penses qu'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont sur la même table? Est-ce qu'ils mangent à la même table, les amis? Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que Antoine Griezmann a marqué son 174e but avec l'Atlético de Madrid, devenant ainsi le joueur qui a marqué le plus de buts avec l'Atlético de Madrid. Il a devancé Luis Aragonés. Luis Aragonés, légende de l'Atlético de Madrid. Du coup, donc, parce qu'il a battu ce record,
beaucoup estiment qu'il est à la même table que Kylian. Il n'y a pas de souci. Antoine Griezmann, c'est un très grand joueur. Je ne peux pas nier cela. C'est un très grand joueur. Battre Luis Aragonés, franchement, c'est une grosse performance. C'est une très grosse performance. Luis Aragonés était une légende. Par la suite, Luis Aragonés, pour ceux qui ne savent pas, il a remporté l'Euro 2008 avec l'Espagne. Il est décédé en 2014. Donc, chapeau à lui et il n'y a rien à dire. En revanche, le mettre sur la même table que Kylian Mbappé, pour moi, je trouve que c'est un peu... Pour moi, ça ne tient pas la route. Pourquoi ça ne tient pas la route? Parce que Antoine Griezmann était déjà un leader de l'équipe de France en 2016. C'était lui qui était vraiment la tête de gondole de l'équipe de France en 2016. Souvenez-vous, l'Euro 2016, c'était Antoine Griezmann. Lorsque Kylian est arrivé, Kylian a commencé à prendre le leadership petit à petit. Kylian n'a pas pris le leadership parce qu'on l'a voté ou bien parce que c'était l'ami de Deschamps. Kylian a pris le leadership grâce à ses performances parce qu'il est incroyablement fort ce garçon. Kylian est incroyablement fort. Si tu veux juger le jeu purement sur le côté sportif, il est fort. Il est très très fort Kylian. Donc c'est pour ça que moi, mettre Kylian Mbappé sur la même table qu'Antoine Griezmann, pour moi ce n'est pas possible. Pour moi ce n'est pas vraiment possible. Kylian Mbappé, on parle d'un mec qui marque environ 40 à 50 buts chaque saison, toutes compétitions confondues. Le mec te marque environ 40 à 50 buts chaque saison, toutes compétitions confondues. Donc, me dis que ce mec est comparable à Antoine Griezmann. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Autre chose, Antoine Griezmann, il est parti au FC Barcelone. Il est parti au Barça. Il a eu du mal à s'imposer. Pourtant, les grands joueurs doivent normalement s'imposer partout là où ils passent. Ils doivent s'imposer. C'est ça les grands joueurs. Regardez peut-être Erling Haaland, équipe de Salzbourg, il arrive à Dortmund, il s'impose. Équipe de Dortmund, il arrive à City, il s'impose. Tout le monde a dit que non, il n'est pas compatible avec Guardiola, etc. Il s'est imposé, il est sorti meilleur buteur de la Premier League. En une saison, il a battu le record, il a remporté la LDC, la Premier League, la Coupe d'Angleterre. Il a tout remporté avec Manchester City. En étant décisif, en marquant des buts. Pourtant, à la base, tout le monde avait dit que non, entre Guardiola et Erling Haaland, ce n'est pas compatible. Donc, moi, je pense aussi que les grands joueurs doivent être capables de s'adapter, de savoir s'imposer dans n'importe quel club. Je suis presque sûr que si Kylian peut ouvrir de Madrid, il va s'imposer. Je suis presque sûr. Parce que c'est une personne qui aime travailler, c'est un booster, c'est une personne qui est mentale, il ne lâche rien. Même quand on parle mal de lui, ça ne l'affecte pas. Il est vraiment hors norme ce garçon. On peut tout dire sur son côté, peut-être enfant gâté, qui aime qu'on parle de lui. Mais côté foot, côté purement foot, côté talent, pour moi il n'y a pas photo. Kylian Mbappé est au-dessus d'Antoine Griezmann en termes de foot sur le plan sportif et même sur le plan marketing. Parce que vous placez Antoine Griezmann et Kylian, les gens viendront plus voir les matchs de Kylian par rapport à Antoine Griezmann. Kylian Mbappé, c'est une marque mondiale. Kylian Mbappé fait plus vendre les maillots par rapport à Antoine Griezmann. Donc, les amis, j'ai beaucoup de respect pour Antoine Griezmann. C'est un joueur qui a beaucoup fait pour le football. Mais, une fois de plus, ne le mettez pas sur la même table avec Kylian Mbappé. Après, c'est mon avis à moi. Partage-moi le tien en commentaire. Est-ce que tu penses que Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont sur la même table? Dis-moi tout, donne-moi ton avis. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ceci étant, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.